quand je snap pas un jour, j'ai... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Nasdas avec plein de péripéties et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Quand je snap pas un jour, j'ai l'impression que j'ai pas snappé un mois. Je vous jure, alors que c'est que un jour. Bref, ça va vous ou quoi? La chanté. Je sais pas si vous connaissez cette personne, mais je trouve qu'elle a grave du style. Commence pas à stresser. C'est pour toi que je fais ça. Ce soir, ça passe ou ça casse. Je m'en fous que t'aies pas envie, d'accord? Allez, celui-là. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. À tout à l'heure. 1024 euros, ça m'a rendu 6 euros. On est venu acheter des habits. Beaucoup d'habits. Leïna, désolé pour la question indiscrète, mais t'as pas un petit frère? T'as un petit frère? Oui, j'en ai. Juste, dis-moi, ce serait pas lui? Eh, hey, voilà, on dirait ton petit frère. Mais non. Si je comprends bien la situation, tu donnes 20 euros à cette dame pour qu'elle fasse le ménage parce que Lauriana n'est pas là. C'est galère. Eh, hey, mais t'as vraiment rien compris. Voilà, tu t'en fous de tout. Mais non, je m'en fous d'elle. Mais c'est quoi ton objectif? Lui faire un gosse, elle aussi? Mais non, mais tu dis ça directement. Oh, descends, j'ai besoin de toi. Viens, oublie ton ménage. T'es en train de jouer, j'ai rien fait. Je sais pas ce qui se passe. La nuit, quand je pars dormir. Mais hier, t'étais célibataire. Ouais. Et aujourd'hui, on m'a rapporté que cette nuit... Une personne qui vous a vu en scred, tu aurais embrassé une de ces filles ainsi présentes. Mmh. Ouais. Du coup, quelle fille aurait pu embrasser le nouveau Anaïs? Est-ce que c'est toi qui as embrassé Moha? Non, pas du tout. Et là, est-ce que c'est toi qui as embrassé Moha? Impossible, c'est pas, je me casse. Lina, quand même pas toi. Camille, mais tu dis pas que c'est toi! Cheveux longs, c'est pas mon style, impossible. Moi, je suis trop sincère avec mon mot. Saya, sorcière que t'es. Je lui donne pas l'heure. Impossible. Du coup, il reste deux personnes! Je vais demander à la personne qui a embrassé Moha de lever la main. Juste, je vais pas me mêler de votre relation. T'as quel âge? 19 ans. T'as quel âge? 25, mais il m'a dit qu'il avait 20. Mais c'est incroyable! T'es sûr que tu veux le faire? Bah oui. Sûre et certaine? Certaine. Ils sont beaucoup, hein? Mais vraiment, c'est beaucoup, beaucoup. On a les épaules, t'inquiète. Eh, les gars, c'est une vaillante. Je vous jure que, comme elle a dit, elle a les épaules. Elle se débrouille toute seule, comme une grande. Et regardez, pour la fête des mères, votre copine ou même votre tante, regardez le style de cadeau que vous pouvez lui offrir. Je vous jure que j'aime trop, parce que le fait que ce soit fait par une personne, j'aime trop. Bon, ben, on se rejoint au cachet? Vas-y. Pas de faux plans? Non, jamais. Allez. Bon, ben, on se rejoint au cachet. Elle a promis il y a quelques jours. Et elle est venue. Voilà qu'elle est venue, la chanté. Regardez, elle a pris son petit fourgon. Elle s'est déplacée. Et elle a ramené des bouquets pour Angie. Pour 4B. Des mamans, je t'aime. Dans quelques jours, c'est la fête des mères. Pour Célia. Pour Mousse et Noélia. Et pour tout le quartier, au fond. Et tout au fond, c'est pour le quartier. Ouais. T'es là. Touya, regarde. C'est un cadeau pour toi. Regarde comment il est beau. Il y a un petit ours blanc. Il est beau comme toi. Il est beau, ben, c'est surtout un ours blanc comme toi. Dimanche,
C'est un jour très important. C'est la fête des mères. Et il y a Dreamflower qui est arrivé au quartier. Il va avoir une distribution de roses. J'espère que ça va se passer dans le calme, les gars. Regardez les roses, comment elles sont magnifiques. Une rose par tête, s'il vous plaît. C'est la fête des mères. Voilà, elle s'est déplacée de Paris jusqu'ici pour donner des roses. J'ai directement accepté la chanter, je vous jure. En plus, elle travaille chez elle. Elle fait des cadeaux personnalisés. Elle fait pas que des roses. Merci, je vais tout vous montrer. Quoi ? Merci, Bouddha. Dreamflower. Je sais pas si vous connaissez, mais la chanter, regardez. Dreamflower, à la tête, c'est une personne qui s'appelle Sarah, qui est juste ici, et qui est dans tout ce qui est cadeau et bouquet de fleurs personnalisés. Elle a commencé de rien. Ça fait un an qu'elle y est. Et franchement, regardez son côté artisanal. Elle fait tout à la main. C'est une passionnée. Je vais tout vous expliquer. Morgane, elle a été gâtée. Ouais. Un bouquet de fleurs personnalisé. Un nounours Baby Island pour mon fils. Et un nounours qui est juste immense. Morgane et Nasser. C'est trop mignon. Et tout ça, c'est Dreamflower. Sur le site, il y a tous les cadeaux. Les bouquets personnalisés. Les cadeaux personnalisés, il y a un code promo NAS20. 20% de remise. Déjà que c'est pas cher. Et la chanté. Là, je vous mets aussi son WhatsApp. Elle fait même des paiements en PCS. Des paiements en PCS. Tu peux payer par carte. Tu peux payer en espèces si tu te rends directement chez elle. Mais aussi des paiements PCS. Et si tu commandes un bouquet ou un cadeau, tu te fais livrer en France en 24 heures. Si tu veux commander en Italie, pareil, tu le reçois chez toi directement. Concernant le cas d'Asia, je ne voulais pas m'exprimer là-dessus, tout simplement parce que ce n'est pas à moi de m'exprimer, mais à Farah. Je suis quelqu'un qui tolère énormément. Je suis quelqu'un qui a énormément de patience. Et j'en ai eu besoin avec Asia. Mais là, ce qu'elle a fait subir à Farah et son grand frère Maïjin, je pouvais pas laisser passer. Moi, j'ai juste pris une décision. Je l'ai eu au téléphone. Si Farah veut vous expliquer, elle vous expliquera. Mais sachez que moi, j'ai juste pris une décision. Les réseaux Snapchat, c'est bien. Les principes, les valeurs, le respect et l'amour, c'est autre chose. Peace. Il y a Maël qui se fait contrôler par la police avec son scooter. Et on m'a dit peut-être qu'il était sans casque et tout. Ça veut dire là, j'ai pris la voiture et on est en train d'y aller rapide de ouf. Il y a Maël qui se fait contrôler par la police. Mais arrête! Avec l'enfant de 16 ans? Avec l'enfant de 16 ans? Mais t'es malade ou quoi? Mais comment? Mais pédophile! Salope! C'est pas pute! C'est une pute! Michel, calme-toi! Oh Michel, calme-toi! C'est une pute! Alors que c'est lui qui me fait des avances! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Oula, ferme ta gueule! Eh, mais tu parles vraiment avec lui! De la tête de ma mère! Mais ça fait 10 jours que. Même. Ça fait 10 jours que. Même. C'est pas ma. Pousse-toi! Pousse-toi! Salope! Pédophile! C'est une salope! C'est une salope! Et pourquoi tu lui réponds? Pourquoi tu lui réponds? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu lui réponds? Pourquoi tu lui réponds? Je lui ai dit. Il est même pas con. Ah Michel, sors, prends l'air. Eh mais tu veux quoi? Par là tu veux quoi? Non mais je suis choqué. Fait que pour les raisons. Mais t'as aucune excuse. Tu parles avec un gamin qui veut se marier, même pas une dizaine de jours. Mais t'as pas honte ou quoi? Et que son père vienne en personne pour te le dire, il t'a cramé, guignol. J'ai rien fait moi. J'ai rien fait, j'ai enregistré. En fait, juste parce que lui, il t'a DM, il t'a parlé, toi, tu t'es senti obligé de lui répondre et envoyer des photos de toi. Oui. Vrai. Excusez-moi, mais t'es la reine des salopes. T'es la reine des salopes. Voilà. Non. Enlève-moi ce sourire. Regarde, moi, je vais te. Regarde. Enlève-moi le très, s'il te plaît, t'avais ton sourire là, narquois là. Enlève-moi le très très vite, espèce de guignol, va. Oh, mais il lui faut un homme. Dans sa vie, celle-là, il lui faut un homme. C'est bon, calme, Michel. Tu vas faire un AVC, voilà. Écoute, je le vois à Saint-Jacques, je lui baisse sa mère. Je lui baisse sa mère. C'est la reine de pute. La reine de pute, ça. C'est bon, Michel, j'arrive. Oh, dans 30 minutes, je suis chez toi.
Il est en train de serrer de vrai. Eh, cette côte. Eh, mais. Ça y est, voilà. La buse, elle est trop dans l'abus. Voilà. Même après, la vérité, c'est l'autre qui l'a dit à mon premier. Regardez ce que je comptais donner demain en plus à Mousse. Oh, mais ça va aller loin. Parce que chez eux, ça rigole pas les trucs comme ça de tromperie et tout. Hein. La tête de ma mère. Hein. Même là, ça y est, depuis tout à l'heure, je lui parle en off. Je lui dis, mais rends-toi compte de la dinguerie que t'as faite. Hein. Après, j'ai vu le message. Elle lui disait, mais genre, en gros, pourquoi tu me parles et tout. Elle est pas 100% en tort. Bon, écoutez, j'ai pas eu énormément de temps. Les magasins ont été fermés. Mais regardez ce que j'ai fait. Le nouveau. Magnifique. En blanc. Costard. Ce relooking, tu sais pourquoi je l'ai fait faire. Ouais. C'est maintenant. C'est la dernière ligne droite. Là, on va savoir si elle est sincère avec toi ou pas. Tu vas. Comme un homme. Tu te mets à genoux. Non. Arrête. Et tu lui dis. Imagine, elle me refoule. Et tu lui dis. Veux-tu m'épouser? Imagine, elle me refoule. Mais c'est un test! Si elle est vraiment sincère, elle va dire oui. J'ai peur. Je suis là. Ok. Tu me fais confiance ou pas? Ouais. Oh, c'est moi qui te parle. Allez, tranquille. Wow. Tranquille, respire. Respire, je sais que c'est pas facile. Ça fait plusieurs jours qu'on te connaît, une semaine. Veux-tu m'épouser? Oh, ouais! Mais... En fait, il estime que si t'acceptes, c'est une preuve de sincérité. Mais y'a rien à voir avec la sincérité, ça fait qu'une semaine qu'on se connaît, je peux pas me marier avec toi. C'est méchant. Buzz ou pas buzz, on peut pas se marier dans une semaine. Mais si c'est méchant. Ça se fait pas. Au moins, la tête de l'envers que non, voilà que non. C'est la gueule du monde, là. Arrête de rigoler, arrête de rigoler. Arrête de rigoler, hein. C'est pas bien. Vas-y, mets-lui de l'eau. C'est une connasse, mon frère. Il est en train de refaire une crise d'angoisse, le pauvre. C'est rien, oh, c'était du théâtre, frère. Oh, c'est rien, mon frère. Et au moins, elle a montré qu'elle était pas sincère. Au moins, t'as fait une première. Rien, t'arrêtes de. Oh. Écoute, sur la tête de ma mère, courir. Le premier jour, c'est moi, je te l'ai ramené. Et je m'en veux, mon pote. Elle est pas sincère avec lui. Elle est pas sincère. Oh là, elle est pas sincère avec toi. Sincère. C'est bon maintenant. La tête de ma mère, elle t'a prouvé. Vas-y, regarde-la droit dans les yeux et tu lui dis. Non. C'est fini, toi et moi. Oui, elle va te faire du mal. Oh, la tête de ma mère, la chute, j'ai fait tout ça pour lui éviter qu'il tombe réellement, réellement amoureux d'elle. Ça peut être une chance. À qui, à elle? Je me suis. Arrête de rigoler. Arrête. Oh, écoute, parle pas. Là, c'est toi et moi. Je vais parler français. Une pub. Une pub de ma part. Presque 8 millions d'abonnés. Et tu quittes le nouveau. Mais ma sœur, ça va trop lui faire mal au cœur. Je peux pas. C'est pas possible. Mais attends. Déjà, ta réponse, elle est pas sincère, ma chérie. Oh, plus tu vas aller loin, plus ça va lui faire du mal, ma gueule. Mais voilà. J'ai pas envie de lui faire de mal. Je te le répète une dernière fois. Une pub de ma part, ou sinon tu restes avec lui, et vu que t'es pas là pour faire des vues, tu t'affiches plus avec lui. Tu veux pas le reconnaître une fois pour toutes? Que t'es amoureux d'elle. T'es amoureux d'elle. Mais jamais t'as. Mais qu'est-ce que t'as? Reconnais-le, t'es amoureux. Mais par là, pas du tout, non, c'est... Moi, je suis un DZ, cousin, je t'en pas amoureux, ma gueule. T'es un DZ, un Algérien, oui, tu t'en oui, pas oui. amoureux. Je suis un DZ, fierté, cousin. Bah, attends, pas amoureux ton père et ta mère, ils sont Algériens? Oui. Ils sont pas amoureux? Si, ils sont amoureux, mais moi. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Et voilà, c'était la story de Nasdas. Donc là, concernant 4B, il abuse. Zahma, les DZ, les Algériens, ils ne tombent pas amoureux. Mais écoute du rail, Aoudi, écoute le rail, ce qu'ils disent dans le rail. En plus, ils comprennent l'arabe. Écoute, Cheb Mami, Cheb Khaled, Cheb Hesni, Cheb Mouloud, Cheb Kader, Cheb Kadera. Écoute le rail, ça parle que d'amour le rail. Ya habibi, moutalik. Le rail, si c'est pas sentimental le rail. Surtout quand tu comprends les paroles. C'est très très sentimental. C'est même trop sentimental le rail. Alors ne dis pas à des aides et les sentiments. Ah, je rigole.
Oui, après, Lina, peut-être qu'elle fait une aversion. Comme elle est bi, peut-être qu'elle a pris 4B pour une vie avec les cheveux longs. Non, je rigole. Je rigole. Attends, faut que je revienne à un commentaire un peu plus sérieux, là. Un peu plus sérieux. Il y a Tounsi, il m'épate dans son habillement, Tounsi. Ça y est. Tounsi, le hippisme. Tounsi, voilà, hippisme. Il est devenu hippie. Happy hours. Non. Faut que j'arrête de rigoler. Faut que je fasse un commentaire sérieux. Donc, par rapport au nouveau, justement, c'est sérieux, le nouveau. Au début de la story, quand Nasdaq lui a dit « va avec elle », j'ai dit « mais qu'est-ce qu'elle va lui faire ?» Non, j'ai l'esprit mal placé. Je me suis dit « c'est quoi, c'est une masseuse, c'est une elle va lui faire un truc pour la première fois, comme il a jamais embrassé de fille. » Oh punaise, j'ai l'esprit mal placé, faut que j'arrête. Voilà, revenons à un commentaire un peu plus sérieux et digne. Il y a Crimo qui prend la nouvelle blonde pour lui faire le ménage. C'est pas pour lui faire le ménage, c'est pour lui faire un gosse. Ma parole, c'est... Crimo, où t'es? Dis-moi où est ton Crimo. Dis-moi où est ton Crimo. Crimo, où t'es? Il faut plus le laisser seul avec une femme, lui. Il va enfanter la terre entière. Le Crimo. Crimo, l'enfeu serial enfanteur. Oh, mais comment tu veux faire un commentaire sérieux avec des stories comme ça? Après, c'est vrai que Nasdaq, quand il snap pas un jour, on dirait qu'il snap pas un mois, même pour ses followers. Tout le monde qui est inquiet, tout le monde... J'avais envoyé une vidéo avec le chat en live. Nasdaq, il a snappé. Tout le monde qui pose la question, est-ce qu'il a snappé? Ouais, il y en a qui n'ont pas le droit de... Leurs parents leur interdisent Snapchat. Ils n'ont pas le droit d'avoir Snapchat, donc ils regardent ici sur YouTube. Peut-être que leurs parents estiment que voilà, n'importe qui peut les appeler en visio et tout. Voilà. À la limite, YouTube, c'est que des commentaires maximum. Nasdaq, il a snappé. Nasdaq, il a snappé. Donc, il y avait quoi la Renoir, là, elle chante bien. Franchement, dans la Chienté a d'incroyables talents. Elle pourrait faire une carrière dans la musique. Par contre, les histoires un peu moins drôles, ben, parce qu'il y a des choses qui sont drôles, on va dire. Après, oui, je m'attendais à ce qu'elle fasse la copine du nouveau, à ce qu'elle fasse du style « ouais, c'est trop tôt, c'est un argument valable, limite ». Mais Nasdaq, il a été intelligent, il lui a dit « je te fais une pub et tu pars ». Même pas, il aurait pas dû lui dire ça, il lui fait une pub et il voit, il lui dit rien. Il lui propose de lui faire une pub. Il a 7 millions d'abonnés, potentiellement elle peut avoir entre 700 000 followers d'un coup, entre 700 000 et 70 000, selon les statistiques moyennes, voilà, c'est entre 1 et 10% en général, parce qu'il y en a qui ne regardent pas la story ce jour-là, il y en a qui ne veulent pas s'abonner, mais on va dire qu'elle peut se faire jusqu'à 700 000 abonnés. Il lui fait une pub et elle voit, et il voit. S'il lui fait une pub et qu'elle fait des vues et commence à faire des placements, là, on va voir si elle est sincère, si elle va rester avec le nouveau ou si elle va le quitter. Parce que souvent, les gens qui ne sont pas sincères, comme le corbeau et le renard, une fois qu'ils ont le fromage, une fois que le renard il a le fromage, il s'échappe. Une fois que la personne non sincère obtient ce qu'elle veut, Elle s'échappe, donc c'est fort possible. Je pense qu'il aurait pu faire encore plus, il aurait dû être encore plus malin et lui faire une pub et voir après observer, lui faire une pub sans aucune condition et l'avoir observé. Là, elle fait le gnangnan parce que peut-être qu'elle se dit je peux avoir plus si les gens s'attachent à moi, à force de me voir dans les stories. C'est vrai que les gens s'attachent au personnage. À force de les voir, les revoir tous les jours, ben, y a une sorte d'attachement qui se fait, quoi.
C'est comme si on les connaît quelque part, en fait. C'est pour ça que souvent, les followers, quand ils les voient, ils ont l'impression qu'ils les connaissent. Et ceux qui sont sur Snap, parce que j'ai déjà été dans un Snap connu à une époque, et ben quand les gens ils viennent me voir, on dirait qu'ils me connaissent dans leurs yeux, ils me regardent dans les yeux, ils viennent, ils disent bonjour. On dirait que je connais tout le monde, on dirait que je connaissais tout le monde. Mais avec le temps, petit à petit, ben, de moins en moins de gens me reconnaissent. Il y en a encore qui reconnaissent, hein. Voilà pour la morale de l'histoire. Et en fait, les histoires les moins drôles, ben, c'est Farah contre Asia. Donc on va voir l'explication de Farah ben, dans une prochaine vidéo, dans une vidéo qui va arriver un peu plus tard, là. Ça va être la vidéo d'après, avec les explications de Farah, l'embrouille entre Farah et Asia. Asia et Farah. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez dans l'autre vidéo qui va arriver prochainement. Et Saya, Mousse, Michel, je ne sais pas quel âge elle a Saya, mais Mousse en plus, il vient de se marier il y a des jours. Je ne vous dis pas sa copine, c'est Noëlla, elle s'appelle Noëlia. Noëlla ou Noëlia, ah purée. Et ok, c'est Mousse qui a envoyé le premier message, mais il faut voir qu'est-ce qu'il a écrit. Qu'est-ce qu'il a écrit? Après, c'est vrai que Nazas, il a dit chez les Gitans, ils sont intransigeants à ce sujet. Et encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus envers les femmes. Ça peut très mal tourner par rapport aux femmes. Tout ça, à part quelques exceptions, à moins que ça soit sérieux, assumé, tout ça. Sinon, ça peut très mal tourner les histoires de cœur chez les Gitans. Beaucoup ont des principes, type familiaux, tout ça. Donc. Et voilà, il y a des exceptions, bien sûr, comme partout, il y a des exceptions, mais en général, voilà, ils peuvent être très impulsifs sur les questions de cœur. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, Saya, elle s'est mis un peu dedans là. Je pense qu'elle va être interdite de Saint-Jacques. Ils vont l'interdire de Saint-Jacques par rapport à cette histoire de mousse. Parce que Michel, c'est pas n'importe qui non plus à Saint-Jacques. C'est quelqu'un qui est très connu dans la communauté gitane. Il est fort possible que Saya soit interdit de Saint-Jacques, ce qui pourrait compromettre sa suite dans l'aventure Nasdas. Quoique Nasdas, l'appartement n'est plus à Saint-Jacques même, mais il va souvent à Saint-Jacques pour snapper, donc pour organiser des events, des trucs, tout ça. Donc. Ce qui est à craindre, au mieux, elle risque d'être interdite de Saint-Jacques, voilà, tout simplement. Pour information, voilà. Ce que je pense, peut-être je me trompe, peut-être j'ai raison, je ne sais pas. C'est ce que je pense, moi. Je pense que Michel va l'interdire du quartier. Ou lui interdire quelques rues. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en au mieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.